One love, one heart, let's get together and be alright. And that time is now. Bonjour à tous, c'est Valentin, le home cinéman, et je suis en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc. Rastafari. Et on est réunis aujourd'hui pour parler de Bob Marley, One Love. Yeah man. Le film est réalisé par Reynaldo Marcus Green. Qui est très connu pour avoir réalisé quoi d'autre? Qui est très connu pour avoir réalisé La Méthode Williams avec Will Smith. C'est le biopic... Avec Vénus et Serena, là. Exactement, c'est le film pour lequel Will Smith a reçu l'Oscar. C'est le film pour lequel Will Smith a reçu l'Oscar du meilleur acteur. Et c'est aussi la même cérémonie où il a giflé quelqu'un sur scène. Ah oui, c'est vrai. Bah écoute, j'avais pas vu le film, justement. Donc, peut-être que ça me motivera, je sais pas. Écoute, voilà, le film est réalisé par ce mec-là. Et donc, dans ce nouveau film, ce biopic sur Bob Marley, l'acteur Kingsley Benadir interprète Bob Marley. Nous avons aussi la présence de l'actrice Lashana Lynch. Que tu adores, Valentin, il faut le dire. J'y reviendrai tout à l'heure. Qui interprète la femme de Bob Marley. De quoi parle ce film, Loïc ? De Bob Marley. Merci. Je t'en prie. À préciser du coup qu'on va faire un débrief 100% spoiler, parce que de toute façon, le film relate des événements dans les gros traits réels, hein, c'est la vie de Bob Marley, ça relate des événements de la vie de Bob Marley, donc c'est assez connu quand même. Donc en gros, il n'y a pas grand-chose à spoiler, vous vous doutez bien que Bob Marley meurt à la fin. Bon, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à spoiler, quoi. Ah bon, il meurt ? Eh ouais, Bob Marley est mort, malheureusement, dans la vie. Ouais, il est en train de chanter avec Gregory Marshall et Michael Jackson. Je ne rigolerai pas à ça. Non, moi non plus. Du coup, le film parle souvent des dernières années de Bob Marley. Parce que, notamment à partir du moment où il s'est fait tirer dessus et qu'il s'est exilé temporairement à Londres. Et son développement pour sa construction du dernier album Exodus. Oui, c'est ça. En fait, on suit beaucoup l'élaboration de cet album. Oui. Exactement, qui sera le dernier album de Bob Marley et ses dernières tournées justement dans le monde avant qu'il meure d'un cancer. Je n'ai plus le nom et après, c'est pas très grave. C'est un cancer de la peau. Voilà, un cancer de la peau et il a été découvert. Notamment parce qu'il s'était blessé au foot et ça ne se guérissait pas, et du coup ils disent non, c'est pas comme ça que tu l'as chopé, mais le fait que ça ne te guérisse pas, du coup c'est un des symptômes qui montre justement que t'as un cancer, mon pauvre. Donc à noter l'intention du film de ne pas relater la vie de la naissance à la mort, on est sur une période assez précise, malgré le fait qu'il y ait certains flashbacks qui nous montrent un peu son enfance et son père qu'il n'a pas connu, tout ça. Exactement, et des flashbacks plus ou moins utiles, parce qu'on a quand même vu le moment où il a découvert aussi le message. Avec toute la culture autour de Ja, justement, les Rasta, etc. Ton avis général sur le film ? C'était un film moyen. Ouais. Vraiment, j'ai pas surkiffé, j'ai pas détesté non plus. Et c'était pas forcément un bon moment non plus, je sais pas. Comme tu dis, en fait, le film, il traite des choses qu'on sait déjà. Oui, mais après, tu peux pas le mettre en défaveur du film. Non, par exemple, regarde la trilogie Le Hobbit, on sait déjà ce qui se passe pour Bilbon, et pourtant, c'est passionnant et ce sont des grands films. Oui, pour mais moi. Ça manière dont ça a été tourné aussi, parce que là, en fait, si tu veux, c'était vraiment. Je suis pas forcément fan des biopic, mais juste là, ça m'a pas gêné ni dérangé trop non plus. Ce que je veux dire, c'est que c'est un film devant lequel j'ai passé une heure et demie ou deux heures devant, et c'est tout quoi. Vraiment, genre, ça a rien de trop positif, rien de trop négatif. Et j'ai préféré justement voir Bohemian Rhapsody plutôt. Je sais pas, peut-être parce que j'ai plus d'attache avec Queen qu'avec Bob Marley, je ne sais pas, mais vraiment, j'ai pas non plus d'avis hyper tranché dessus quoi. Je suis mitigé, on va dire. Okay. Et toi, Valentin ? Eh ben, moi, je te rejoins pour la plupart des choses que tu viens de dire. C'est que moi, le film m'a mis beaucoup de freins. En fait, il y avait beaucoup de freins dans le film. Déjà, il y a le fait que ce soit un biopic. Moi, les biopics, c'est vrai, j'ai un peu de mal. Il faut vraiment que ce soit sur, comme tu le disais, des artistes que j'aime beaucoup. Ou même sur Oppenheimer. Non. Justement. Et non, parce que Christopher Nolan a dit que c'était pas un biopic. Non. C'est un film scientifique. Voilà. Nique ta mère. Et moi, ce que j'aime bien, justement, c'est les biopics, quand j'arrive à les apprécier, quand c'est sur des artistes que j'apprécie déjà beaucoup. Du genre Queen, mais j'aime pas trop Bohemian Rhapsody. C'est un mauvais exemple. Mais Elvis. Rocketman, t'avais bien aimé, non ? Rocketman, j'avais bien aimé parce que j'aime beaucoup
beaucoup Elton John. Elvis de Baz Luhrmann, énorme film, un de mes films préférés de l'année où c'est sorti. Et donc voilà, faut vraiment que j'apprécie l'artiste avant d'aimer le biopic. Donc c'est pour la plupart des biopics, j'ai du mal avec le. Ouais, mais faut quand même aussi Valentin séparer l'homme de l'artiste aussi, donc c'est un peu difficile, tu vois, de prendre une distance par rapport à ça. Pour dire voilà que j'ai du mal avec les biopics en général. J'aime beaucoup Bob Marley, donc c'était bien parti, mais c'était mal parti aussi dans le sens où déjà le réalisateur, bon, la méthode Williams, même si j'ai pas vu le film, bon, c'est pas le genre de film vers lesquels j'ai envie d'aller. Il y a aussi le fait que, et là j'y viens, dans le film il y a l'actrice Lashana Lynch, qui est une des pires actrices au monde pour moi. Je déteste cette actrice, mais alors je la déteste. C'est vraiment pas que je peux pas la voir, c'est vraiment que je la déteste. C'est pour ça que je t'avais dit, à un moment où justement la femme de Bob Marley se fait tirer dessus, et moi je savais pas que c'était fait tirer dessus, machin et tout. Et au moment où tu la vois vraiment la tête sur le volant en mode elle est morte, c'est pour ça que je t'ai glissé un petit, bon bah au moins tu la verras pas longtemps. Et puis finalement on apprend que c'est Dreadlocks l'avait sauvée en fait. Non, et bah, c'est là où on s'est dit, et eh merde. Je vais pas aller jusqu'à souhaiter la mort de l'actrice quand même, non. Non mais dans le film en tout cas. Oui, bon l'actrice je la déteste quoi, dans tous les rôles qu'elle a fait, je la trouve insupportable. En fait elle a un visage, alors c'est physique, hein, et c'est aussi dans son jeu, c'est je l'aime pas en tous les points. Déjà physiquement, je trouve qu'en fait elle a toujours ce visage hautain, cet air dédaigneux, ouais, supérieur, dédaigneux. Mais que ce soit dans, quand on la voit sur des avant-premières, sur des tapis rouges, dans ses rôles aussi, elle joue dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, son visage dans le film, elle joue dedans. Ouais, elle joue, bah tu sais, bah, Monica Rambeau là. Ah oui, c'est vrai. C'est la Captain Marvel de l'univers des Illuminati là. C'est son visage. Vrai. Regardez là, je vous mets un petit extrait là. Regardez cette tête là. Voilà, c'est exactement ça que j'aime pas. Oui, mais en plus on l'avait déjà cette air là dans le dernier James Bond justement. Exactement. J'allais y venir aussi dans le James Bond, pareil, elle a cet air hautain, dédaigneux. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après il y avait aussi le fait que du coup c'est elle qui ait récupéré le matricule 007, donc forcément ça partait mal aussi. Aussi, oui. Non mais je veux dire, voilà, l'actrice déjà physiquement ça passe pas, et en plus voilà dans ses rôles je trouve qu'elle n'a aucun talent. Bon, c'est une appréciation voilà personnelle, je peux pas la voir en peinture, je peux pas la carrer cette actrice. Donc le film voilà partait avec des petits freins pour moi, parce que biopic avec cette actrice dedans, avec un réalisateur pas ouf, bon voilà, ça partait avec du frein. Et donc finalement le film s'en sort bien, parce que j'en suis pas ressorti en ayant détesté comme toi. En fait j'ai trouvé ça pas terrible, c'était moyen, c'était bof. Ouais, c'était un film moyen. Je vois pas trop l'intérêt de ce genre de film, si ce n'est en fait te proposer un film avec une playlist de Bob Marley pour que t'ailles l'écouter après sur Spotify. Bon, en parlant de playlist, justement, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait à chaque instant on avait des chants de, enfin des musiques de Bob Marley. Donc à certains moments c'était utile bien sûr, parce que du coup on s'entendait chanter machin et tout, mais c'était l'occasion aussi de mettre d'autres musiques, parce que du coup c'est aussi la découverte pour beaucoup de la culture rasta, justement avec Ja, le reggae machin et tout. Donc ça pouvait être l'occasion de mettre d'autres musiques de ce genre là autre que Bob Marley, parce que du coup il y a pas que Bob Marley non plus, c'est l'égérie mais pas que. Bah j'ai trouvé ça dommage, j'ai trouvé même ça lourd au bout d'un moment d'avoir constamment Bob Marley qui chante. Tu fais d'accord, oui c'est un film sur Bob Marley, il y a pas de souci, mais c'est un film aussi sur le reggae, sur le message du reggae, etc. Bah ouais, mais tu le traites, mais en même temps tu le traites pas en fait. Bah, c'est donc je comprends pas. C'est que le film, en dehors de nous montrer la playlist, en gros le message c'est ah bah vous voyez Bob Marley chantait pour l'amour, pour la joie. Bon, ah bah apparemment on l'a pas assez bien compris, parce qu'ils l'ont rajouté en message à la fin. Ouais, non mais voilà, c'est que c'est pas très subtil quoi. Enfin tu vois on va pas inventer la roue avec ce film quoi. Je veux dire, plus généralement je ne suis pas un grand expert de Bob Marley, j'ai même envie de dire je connais l'artiste, je connais certaines de ses musiques, mais je ne connaissais pas beaucoup l'homme. Voilà, j'avais les grands traits de sa vie, le fait qu'il s'est fait tuer à un moment, enfin pas qu'il s'est fait tuer non, mais qu'il s'est fait tirer dessus à un moment, qu'il a chopé un cancer, qu'il a eu le cancer de la peau. En fait ces événements là même sans être un grand expert de Bob Marley, voilà, j'ai déjà entendu parler de ces événements de sa vie là. Mais du coup le problème du film, c'est que qu'est-ce qu'on a appris en plus, qu'est-ce que le film a approfondi en plus sur la vie de Bob Marley que je ne savais pas déjà? Bah rien, pas grand chose. Et c'est un peu le problème du film aussi, c'est que finalement à quoi sert l'exercice si c'est pour nous montrer une succession de musique de la playlist de Bob Marley et une succession de scènes sur sa vie qu'on connaît grossièrement. Le film m'a pas apporté beaucoup. La relation avec sa femme, il y a rien d'incroyable. Il y a une scène que j'ai trouvé assez intéressante, c'est parce qu'en fait le film finalement parle pas beaucoup de musique. En fait on a de la musique dans les oreilles, les musiques de Bob Marley, on le voit pas vraiment créer la musique qu'il y a dans ses albums, on le voit pas vraiment comment il compose le morceau, tout ça c'est pas très intéressant. Il y a une scène où j'ai trouvé ça intéressant, une scène de flashback, donc il y aura peut-être mieux fallu raconter cette époque là c'est quand tu sais il va voir le chef d'un label local en Jamaïque, et que il joue un truc, le mec est là, ouais c'est de la merde, il commence à partir, et là Bob Marley et les Wailers commencent à jouer un morceau, ils disent ouais c'est notre meilleur morceau, ils le jouent, et là on se rend compte de la magie qui opère et comment le génie qu'ils avaient en fait. Et là j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui se passait, le mec revient, il est là,
ah oh ouais, je vais vous produire, machin. Et cette scène est intéressante. Mais il n'y a pas d'autres scènes comme ça. C'est vraiment la seule où j'ai senti qu'il se passait un truc dans le film. Le film était un petit peu stimulant. Le reste, bon, bah, c'est banal, quoi. C'est après, pas... pour rebondir là-dessus, il y a peut-être la scène à Londres, justement, où ils, enfin, où ils chantent le morceau Exodus. Bah, même pas, c'est une scène de concert. Non, mais non. La scène, justement, où ils la chantent chez eux, c'est il est en train de chanter un morceau, mais il est pas sûr et tout. Il entend ses potes qui écoutent, justement, le vinyle de Exodus, le film, justement. Et il fait, ouais, on fait un truc comme ça. Et du coup, ils commencent à improviser, machin, faire leur truc et tout. C'est vrai, il y a un peu ça aussi, c'est là. Il y a un peu ce groove, justement, de, ouais, on est en train de créer de la musique, machin, avec, bah, comme finalement Bob Marley veut, finalement, avec l'envie, avec les tripes. Et justement, et là, c'est là que tu le vois, justement. Mais tu vois, c'est ce que j'aimais avec Rocketman, par exemple. Ah, j'ai pas vu. Le film Rocketman, c'est ça. En fait, on te montrait Elton John qui crée la musique. Et c'était super intéressant. Et puis le film allait plus loin. Elton John n'était pas toujours sous son meilleur jour. Et donc, en fait, le film se permettait, voilà, de dire, bah, de faire le portrait d'un homme, en fait, qui a des failles, qui a des. Voilà. Et là, en fait, c'est très lisse sur Bob Marley. Le mec est toujours super sympa. Bon, il y a sa femme qui lui dit, ouais, tu déconnes sur certains trucs, mais. Oh, c'est pas. Je veux dire, Bob Marley est quand même montré comme étant le chouette type, machin. Il devait. Voilà, encore une fois, je suis pas un grand spécialiste de Bob Marley, loin de là. Mais je pense qu'il devait avoir quelques failles quand même. Il était pas oui, non plus, bah, c'est ça. Elle remarque à un moment que, bah, dans ses chants, justement, il était vraiment en colère et tout. Non, mais il y a ça, mais je veux dire, le mais film sinon, assiste pas quand même, assiste pas beaucoup pour nous dire, ah ouais, il y avait ça qui allait pas, quoi. Ah bah non, sinon, il est représenté comme la blanche colombe de la paix, hein, c'est tout. Le reste. C'est ça, bah, c'est, en fait, c'est pas très. Intéressant. C'est très lisse. C'est très lisse, c'est très moyen, c'est très. Voilà. Oui, c'est ça. Alors que pourtant, justement, des hommes comme ça, justement, c'est là où, comme tu le dis, des moments de faiblesse, ils ont, bah voilà, ils ont besoin de colère, d'exprimer des choses. Et pas que d'appeler là pour la paix, que ce soit dans les chansons ou autres, on voit rien, en fait. Après, pour le coup, l'acteur, Kingsley Benadire, j'ai trouvé que. Enfin, il avait un air sympathique. Oui. Il avait cette. J'ai trouvé qu'il était bien en Bob Marley. Ouais, totalement, il était bien, même dans, ouais. Dans sa représentation de Bob Marley et tout, c'était vraiment bien. Et d'ailleurs, je me posais la question, c'est lui qui chante ou c'est ça, juste Bob Marley, ils ont remis dessus, je sais pas. Je me suis posé la question pendant le film, parce que sa voix était très proche de celle de Bob Marley. Ouais, bah c'est pour ça. Puis, pour le coup, je sais pas. Parce que c'est quoi, c'est Taron Egerton, c'est ça? Taron Egerton. Parce pour que Taron Egerton, justement, il a chanté lui-même. Il a chanté. Pour Rocketman, ouais. Et justement, c'est Elton John qui avait approuvé totalement. Et dans d'autres films, il chante, et justement, bah, que ce soit du Elton John ou d'autres, et il le fait bah, lui-même, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis demandé si c'était pas lui aussi, bah, l'acteur, qui fait Bob Marley, qui chante lui-même, parce que ça pouvait rajouter quelque chose d'encore mieux dans sa performance, en fait, qui était impressionnante. Pour le coup, c'était vraiment une bonne performance. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Et en parlant de performance aussi, le fait que les vrais enfants du groupe, les Wailers, bah, finalement, fassent partie du groupe dans le film, justement, c'est bah, chaque enfant représente son père dans le passé. C'était vraiment intéressant et ça a rajouté plus de charme, justement, au film. Même si on le sait pas, quand on se renseigne un petit peu, on voit que bah, c'était les vrais enfants des Wailers et du coup, c'était ça rajoutait un petit truc au film, tu vois. Bah, ça, je savais pas du tout, tu vois. Je te l'ai dit après le film. Oui, mais je suis honnête, je savais pas avant de voir le film, je savais pas du tout. Mais tu parlais ouais, de Taron Egerton qui s'était donné pour le rôle. Je pense aussi à Austin Butler pour le rôle d'Elvis. Après, dans le j'ai film. Toujours pas vu Elvis entre temps, donc. Connard. Et du coup, Austin Butler, pareil, en fait, il chantait les chansons d'Elvis, même il avait la démarche et tout. Et je trouve que Bob Marley, enfin, l'acteur Kingsley Benadire, n'a pas à rougir de sa performance. On n'est pas, voilà, dans une performance. Pour moi, on est en dessous d'un Taron Egerton ou d'un Austin Butler dans leurs films respectifs, mais c'est pas catastrophique. C'est franchement, bon acteur. Oui, mais après, c'est un acteur aussi qui a pas encore prouvé ses performances ailleurs. Je crois pas qu'on l'a vu dans d'autres films. Et c'est ça aussi le problème, c'est que le film offre pas non plus des scènes où il peut offrir une performance incroyable. Alors, encore une fois, voilà, je sais pas s'il chante vraiment ou pas. Bon, avis aux auditeurs, je ne sais pas, faudra se renseigner. Mais voilà, le film, globalement, est très moyen. Et il y a aussi ce qui m'a un peu saoulé, le panneau indicatif à la fin. Panneau. Panneau. Bobé. Bobé. Non, c'est panneau. Non, c'est panneau. Astérix. Oh. Oh. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oh. Oh. Ici. Obélix. Obélix. Je crains que ce ne soit la fin de nos aventures. Que ce ne soit la fin de nos aventures. Il y a les panneaux indicatifs à la fin du film, oui. Qui nous montrent, oui voilà, alors Bob Marley il est mort en telle année, machin. J'ai trouvé ça un peu ridicule parce que ils nous disent des évidences, quoi, oui voilà, il chantait pour l'amour, il chantait pour le love, yeah man, et puis voilà, enfin, j'ai trouvé ça assez ridicule, quoi, qu'on nous indique ça. En fait, on avait compris dans le film, qui est le panneau, voilà, il est mort en telle année d'un cancer de la peau, même si on nous l'a dit dans le film, c'est normal que le film à la fin il soit clair, il est mort telle date, tel jour, voilà, ça c'est normal, mais c'est qu'après, voilà, il y a encore d'autres textes qui apparaissent après.
après et qui nous dit des évidences. Enfin, je trouvais ça assez ridicule. Surtout que en VO justement, il y avait pas de sous-titres, mais généralement quand t'écoutes en VO, tu comprends un petit peu, parce que tu comprends les paroles de Bob Marley, etc. Nous, on l'a vu en VF, et il y avait des sous-titres sur les chansons, donc on savait très bien à chaque fois que c'était pour l'amour, pour la paix. Et même c'est dit encore et encore et encore qu'il veut juste prôner l'unification, parce qu'en fait, il y aura jamais vraiment la paix dans le monde si on n'est pas unifié et si on s'aime pas. Mais rien que dans la bande-annonce, déjà le film s'appelle One Love, donc bon. Et puis dans la bande-annonce, tu sais, il y a tous ces moments où il dit ouais, moi je veux rassembler les gens. Enfin bon, on a compris déjà que le film est pas très subtil, mais en plus on nous l'écrit à la fin. Enfin désolé les gars, mais là c'est abusé quoi. On ouais, pas c'est con. Ça. Bah un petit peu apparemment. Et ça, le problème du film aussi, c'est qu'il est très consensuel. Et j'ai trouvé que c'était le même problème que Bohemian Rhapsody. Même si j'adore Queen, mais dans Bohemian Rhapsody, ça va pas creuser profond dans la vie de Freddie, et même ça la déforme par certains moments, donc c'est encore pire. Mais on est voilà dans le film playlist où après tu vas réécouter les musiques sur Spotify, et en plus c'est pas les musiques les plus inconnues de Bob Marley, voilà. Donc oui, ça c'est sûr. Par exemple, il nous aurait fait découvrir des morceaux, parce que pareil, encore une fois, je suis loin d'être un spécialiste de Bob Marley, que ce soit pour l'homme et aussi l'artiste, je connais les musiques les plus célèbres, mais tu vois qu'il m'aurait fait découvrir quelques singles, quelques musiques que je ne connaissais pas de lui, j'aurais peut-être un peu plus apprécié le film aussi. Mais voilà, il va prendre les meilleurs tubes, il va les mettre dans le film, et puis on va les écouter sur Spotify après, puis terminé. Mais c'est ça en fait, c'est les meilleurs tubes, tout le monde les connaît, donc du coup on va les mettre pour attirer les gens. Voilà, le film n'a pas de qualité cinématographique particulière. C'est du racolage. C'est un peu du racolage, oui, en effet. Mais comme Bohemian Rhapsody, qui avait le même problème, voilà, j'ai pas retrouvé, pour le coup, là, je connais beaucoup mieux les artistes à Queen. Et donc, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas les musiques les plus obscures et celles les plus obscures que j'aime bien aussi. On restait, voilà, sur du populaire. Sur du Bohemian Rhapsody, par exemple. On était sur du populaire. Et donc, le film est très moyen et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a mieux à faire avec ça. Mais il y avait du potentiel en fait. C'est ça. Et puis le fait que ce soit sur une période précise, on voit bien que le film n'assume pas ce qu'il fait parce qu'il est obligé de nous foutre des flashbacks pour essayer d'avoir un peu plus de consistance, parce que sinon, il n'y a pas grand chose à raconter. Bah c'est ça, enfin, tu fais un film dans le passé sur Bob Marley avec sa rencontre avec le rayé, avec Ja, etc. Sur sa passion pour la musique, tu fais Bob Marley, la naissance d'un homme ou un truc comme ça. Sur l'origine story de Bob Marley, là c'est quoi sur ces dernières années où il est déjà connu, il est déjà populaire et tout. Ah, mais ça pourrait le faire, mais c'est que je sais pas. Le film n'a pas les qualités nécessaires pour nous raconter et pour aller un peu plus profondément dans cette période qu'il veut le dépeindre. Donc en fait, il est obligé de piocher ailleurs. Ben alors du coup, pourquoi tu t'es concentré sur cette période? Raconte-nous toute sa vie, et les flashbacks, tu les mets. Enfin, du coup, c'est pas des flashbacks. Tu mets les scènes au début, terminé. Oui, c'est ça. Mais bon, apparemment, c'est difficile d'organiser un film correctement. C'est vrai que c'est dommage, quoi. Il est obligé de nous sortir des flashbacks, mais parce que c'est un peu le passage obligé. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu t'es concentré sur la période? C'est ça. Donc c'est un peu voilà. Y a rien de catastrophique. Hein. C'est pas la pire merde qu'on ait vue. Mais c'est du moyen et ça fait chier, quoi. C'est dommage. Il y avait du potentiel. C'est ça, il y avait du potentiel. En plus, vu comment il a été vendu en France, en tout cas, c'était dommage parce que je m'attendais à un mieux. Donc, c'est quand même dommage d'en arriver là, quoi, d'avoir un film moyen alors qu'on te vend comme le film de l'année ou un très bon film. C'est quand même dommage d'en arriver là, quoi. Et à savoir que le film marche beaucoup au box-office, et je trouve ça dommage. C'est ce genre de film qui va marcher, qui va faire péter tous les scores, alors qu'un Elvis, un Rocketman, ça marche moins bien. Par contre, un Bohemian Rhapsody, un Bob Marley, One Love, ça explose tous les records, quoi. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Il faudrait que ce soit les Rocketman et les Elvis qui marchent bien, qui eux ont de vraies ambitions cinématographiques et des vrais trucs à proposer visuellement, scénaristiquement, voilà. Ouais, totalement. Mais apparemment, c'est difficile de faire des biopics bien réalisés, en tout cas. Déjà que, ouais, voilà, le genre est pas très. Enfin, moi, je suis pas très fan du genre. Bon. As-tu quelque chose à rajouter sur Bob Marley? Un petit mot pour la fin? Jupe. J'ai pas. Dommage. Je suis ébéniste. Bon, ben, après ce court instant sur le film, parce qu'on a pas grand chose à dire malgré tout, car c'est un film moyen. Bah ouais, ni trop positif, ni trop négatif. Il est temps de conclure. On vous remercie, en tout cas, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et même du film si vous l'avez vu, car tout avis est bon à prendre. N'hésitez pas à aller voir nos sens critiques dans la description, lâchez un pouce bleu. Et c'en est fini pour cette vidéo. Merci à tous, bonne journée. Salut. Salut.